Ah, Mimi de Mandaril. Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 4 de ce let's play Little Nightmare qu'on va clôturer aujourd'hui. Si jamais vous l'avez remarqué, j'ai une nouvelle webcam. Du coup, je suis désolée si je regarde souvent de ce côté-là, c'est parce que j'ai pas encore l'habitude de gérer la cam et le retour. Comme avant, j'avais les deux sur mon téléphone, bah je regardais toujours au même endroit en soi. Mis à part ça, je vous souhaite un joyeux Halloween, parce que c'est un peu tout le principe de ce let's play au final. C'est qu'on clôture ça sur un chouette épisode, j'espère, pour le jour d'Halloween. Du coup, j'espère que vous passerez une bonne soirée avec moi. Et même si vous regardez ça après Halloween, j'espère que ça vous plaira. Perso, je me suis mis dans mon petit plaid, il fait pas très très chaud, il fait noir. Je suis déjà dans un mood un peu cocooning, effrayant, bref. En tout cas, je suis confortablement installée et j'espère que vous aussi. Juste, oui, petit disclaimer avant qu'on commence. J'ai prêté mon jeu et ma console à une amie du coup qui a joué au chapitre qu'on va faire aujourd'hui. Donc si jamais il y a des lampes allumées, des succès déjà déverrouillés que vous voyez et que moi j'aurais pas vu du coup, enfin les lampes je les verrai. Mais je sais qu'il y a d'autres petits trucs comme ça qu'il faut un peu débloquer et ça je risque de passer à côté du coup parce qu'ils auront déjà été faits. Du coup si jamais vous en repérez, c'est pour ça. Et du coup de ce que j'ai vu aussi, après on commencera le jeu. Il y a juste l'intro en fait du chapitre 4 que j'avais passé et je vous mettrai juste une petite incrustation de ce moment là pour que vous ayez du coup l'introduction de ce chapitre là que moi j'ai vu sur YouTube du coup et que je vous remettrai juste en incrustation comme ça. Du coup on se retrouve juste après ce petit extrait. Ok, bon, je sais pas du coup si les méchants de ce chapitre aussi ça va être les gens qu'on a vus, mais si c'est ça, ils vont être vraiment beaucoup. Par contre, jamais de la vie je marche là-dessus. Hein. Ils ont tous un masque? Ah non. Ah oh, mais ceux qui ont un masque, ils sont... horribles. Non. Mais je vais pas monter devant eux, genre. Et oui, du coup, dans l'extrait, on a vu qu'on était dans un bateau. Enfin, en vrai, c'est logique. Vu comment tout tangue depuis le début. Mais c'est vrai que je m'étais pas fait la réflexion. Moi je m'étais dit c'est juste un détail qu'ils ont rajouté au niveau des graphismes et tout. J'avais pas vraiment réfléchi. Bon. Bah. On va tenter. Oh. Ça va être elle la méchante.
En vrai, si c'est elle, la méchante du chapitre 4, stylée. Je sais pas ce qu'elle fait, mais stylée quand même. Ça me donne tellement des vibes de Chihiro. Je sais pas si vous connaissez du coup le film des voyages de Chihiro. Mais avec les masques, l'ambiance un peu japonaise et tout, l'espèce de geisha, genre ça fait vraiment les vibes de Chihiro, je trouve. En plus, comme il se gave. Vraiment comme dans le film, je sais pas si c'est fait exprès ou quoi, mais on... C'est pas vu la bouteille. Elle se réveille en dessous de la table. Pourquoi le tabouret il tremble comme ça? Il faut que j'essaye d'esquiver la bouteille du coup. Non, en vrai. C'est dur. Oh, il est horrible. Mais attends, mais... Il ne poursuit pas. Ah, comment il rampe, c'est ignoble. Je dois lui... Ah non. Non. Mais ils veulent vraiment me graille. Mais ce tabouret a vraiment un problème. Hein. Oui, on sait. Mais t'as plein à manger à table. Il va falloir m'avoir là. Non, là tantôt je pensais que je devais grimper sur sa tête. Mais en fait, il y a un truc là au-dessus. J'ai fait bugger le jeu là, non? Pourquoi elle est redevenue calme d'un coup? Je crois que c'était pas prévu. Ok. Oh, ça fait trop pitié. C'est comme quand les cuisiniers ils essayaient de m'attraper aussi là. Ah, des saucisses. Ah non. Elle fait ses tractions. Mais, genre, ils veulent vraiment me graille. Alors qu'ils ont une table remplie de bouffe. Ah ouais, bah ici il y avait un succès à mon avis. Ok. Mais du coup c'est pas par là qu'on sort. Oh non. Il y a la lumière sur le tabouret, 100% je dois passer sur la table. J'ai pas envie. On va essayer de me choper. Oh non, c'est si dur. Oh. Je sais pas comment j'ai fait, j'étais vraiment à deux doigts là. Littéralement. Oh, un petit. En plus j'ai mangé de la pizza là juste avant, j'ai... Vraiment. Mon doigt a lâché le bouton. Non, je disais, j'ai mangé de la pizza juste avant. J'ai la nausée de ouf. Tous ces bruits de gens qui mangent, ça me dégoûte. Bon allez,
on sprint du coup. J'ai vraiment cru qu'elle m'avait. Ok. Bon, on essaye de pas lâcher le bouton, n'est-ce pas? Ok. Ils sont vraiment partout, ils sont ignobles, ils font plein de bruit, ça me dégoûte. Genre, ils ont vraiment que ça à faire de. D'essayer de me. Ne redescend pas, genre c'est affreux. Non. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je croyais qu'on le reverrait plus. Oh non, ce bruit ne m'avait pas manqué là. De toute façon, là, stupide comme Ellie, il va pas me trouver. C'était sûr. Mais je pensais vraiment pas qu'on le reverrait. Enfin, en soi, c'est logique, mais. S'il y a un banquet, il doit y avoir des cuisiniers. Je pensais qu'ils allaient rester dans leur cuisine, genre. C'est comme le méchant des premiers chapitres, on l'a plus revu. Peut-être qu'on va le revoir aussi. Comment on sort d'ici? Je dois. Oh bah, punaise. C'était pas évident. Ça doit faire tellement mal. La pièce la plus évidente à comprendre là, genre j'ai galéré. Mais il va pas revenir. On va sprinter vite. Le chapitre est affreux, la musique est toujours hyper stressante. Ça vient d'où ces ronflements? Non, c'est pas là. Avec son masque en plus. Mais attends, mais ils en combien? Vite. Je sais pas où je vais. Ah.
sauter. J'ai vraiment lâché au lieu de sauter. Genre, il y a une femme qui est tombée avec. Je sais pas si c'était fait exprès. Je commence à sprinter déjà. Je sais pas si c'était fait exprès que la femme elle soit tombée avec ou si c'est parce que moi je suis tombée, j'ai fait bugger le truc. Maintenant je connais un peu mieux le chemin du coup. Là ça va redescendre. Voilà. Là faut esquiver. Et j'ai plus d'avance. Je me trompe. C'était fait exprès du coup. Je comprends pas. Pourquoi il se rue autant sur moi? Oh bah c'est malin. Il y avait plein à manger de l'autre côté. Ma petite bestiole, elle va m'aider, non? Oh. Oh, c'est trop mignon. Adorable. J'ai envie de la regarder comme ça toute ma vie. C'est beaucoup trop mignon. Quoi? Tremble. J'ai pas compris. Pourquoi? Oh, elle se frotte là. Mais je comprends vraiment pas. Elle lui tendait une fucking saucisse, genre. T'avais juste à la prendre et la manger. Arrête de te frotter la bouche. La vérité, si tu meurs, tant pis pour toi, genre. Plus aucune pitié. Regarde son cadavre, là. Vas-y, mange ta saucisse, là, maintenant, non? Bah non, t'as plus faim, évidemment. Et je suis pas bien. Ça, là, ça m'a plus mis mal que tout ce que j'ai fait dans le jeu, là. Je vais pas m'en remettre, hein. Vraiment, mon cœur est en PLS, là. Je vais pas dire que j'ai plus envie de jouer, parce que... revenir là, non? Il n'y a aucun endroit où se cacher, genre. Je crois que je vais faire une pause là, genre. Je comprends pas pourquoi ça me met autant mal. Mais mon cœur bat beaucoup trop vite, genre. Je suis tendue. Mais du coup, là, j'ai l'impression qu'on a fini le banquet. Donc le banquet, c'était un chapitre, et là, on fait l'autre chapitre. Et du coup, c'était vraiment les passagers, les méchants, genre. Et là, ça va être la genre de geisha. Elle va revenir. Non, non.
Et j'ai vraiment trop peur des ascenseurs, maintenant je fais plus confiance. Hein. À mon avis, quand il y a des transitions comme ça, c'est des transitions entre les chapitres. J'espère que ce sera un peu plus calme. Là, je trouve que c'était intense avec les musiques, avec. Il y avait du bruit constamment, genre. Sûrement fait exprès, mais j'ai vraiment cru que c'était elle, genre. Mais il y a des mannequins partout, en fait. Je crois qu'il y en a un qui apparaît, j'ai l'impression que. Que c'est elle. Oh! Ça m'a l'air un peu plus calme. C'est elle qui chante. Par contre, c'est très très stylé comme endroit. Ouais, il va falloir trouver une clé. Ça, je sens à un moment, elle va nous courser là dans cet escalier. C'est quoi ces tableaux? Qui met ça chez lui? J'ai pas envie. Y'a pas une autre porte là? Non, bah non. Truc, c'est ce mannequin là. Je dois vraiment juste passer derrière. Je dois aller sur le meuble. Pas passé. Mais attends, mais c'est super dur. Si elle me chope direct, genre les autres, je pouvais au moins essayer de sprinter, genre de fuir. Je dois sûrement passer accroupie. Parce que là, je pense, tant qu'elle m'entendait pas, c'était bon. Par contre, la musique là, ça va 2 minutes, mais. C'est hyper angoissant, mais c'est un peu redondant, quoi. Je vais essayer d'y aller comme ça. Continuer parce que il suffit que je fasse un pas et à mon avis elle vient me chercher genre. Mais encore ces tableaux. Viens d'où ce bruit? C'est le vase? Oh non. Ça va faire v'là le bruit. Elle vient pas. Ah non, elle est plus là. Ça veut dire elle peut arriver de n'importe où, genre. J'ai trop peur de me remettre debout. J'ose pas. Je suis très très bien accroupie, genre. Je suis trop curieuse de voir ce qu'il y a en dessous des tableaux qui sont cachés là.
Chaque fois, les mannequins. Ça marche trop bien sur moi, c'est horrible. Mais elle est passée où? Y a pas 40 endroits où se cacher quand même. Au moins, ça a le mérite d'être calme. Mais ça l'est un peu trop. Là, je sens qu'elle va arriver, qu'elle va me courser jusqu'à la porte. J'ose vraiment pas me remettre debout. Attends, mais elle va vraiment me laisser juste partir comme ça? Ultra tendu. Elle est là. J'ai trop peur qu'elle surgisse de derrière là. Le bruit qu'elle fait est horrible. On dirait trop, je sais pas si vous connaissez la série Hill House, The Haunting of Hill House. Genre les fantômes font exactement le même bruit. Mais du coup, il faut bien que je sprinte du coup. La glissade. Yes. J'ai pas envie d'avancer. Les mannequins, ils ont des perruques maintenant. C'est passé un level au-dessus, genre. Je viens de remarquer. Genre, la visibilité sur l'écran, ça fait la forme d'un œil. Je sais pas si c'était comme ça depuis le début du jeu ou si c'est que maintenant. En tout cas, je viens seulement de le voir. C'est un peu chiant, du coup, pour trouver la sortie. Vas-y, fais encore plus de bruit. Mais... faut aller où? Ah. Oula. Oula. C'est quoi ce changement d'ambiance là? Elle est revenue. Mais je dois le garder en main, ça? C'est pour me protéger peut-être. Genre, je dois aller la confronter comme ça de front. Non, non, non. Mais. J'ai pas trop compris. Peut-être que je dois aller dans la lumière du coup. Moi, je voulais fuir sa lumière, genre. Non, merci. Bon, allez, cette fois on y va. Ok. Ok.
Je vais le refaire. C'est bruit, vraiment. Après, le jeu est bien fait. Faire des petits ronds. Ah, elle me défeinte en plus maintenant. Bah, je vais mettre des feintes aussi. Ça marche bien les petits ronds. Mais il va falloir le faire combien de fois? Elle est mourue. Oh non. Mais oui, j'ai compris. Mais j'ai vraiment pas envie là. T'as pas envie de manger la saucisse sur comme tout le monde. En plus, moi, IRL, je serais vraiment le genre de personne à aller l'aider, genre. C'est une cinématique. Je sais pas bouger. Je sais pas sauter ni rien. Thank you.
Je comprends pas trop ce qui s'est passé là. Oh, pardon. Pardon d'avoir mangé votre copain. Ils sont adorables. C'est fini. J'ai regardé à combien mon cœur bat. Je suis à 100 BPM. Ça va encore. Mais cette fin. What the fuck? J'ai pas d'autres mots, genre je. Enfin, c'est pas que je comprends pas, je comprends à peu près genre l'âme entre guillemets de la geisha, genre. Est venue en nous, je suppose. Mais par contre, voilà, elle aspire les âmes. Vraiment, ce dernier chapitre, je crois que c'était le meilleur. Il est incroyable. Tout au niveau de l'ambiance, de. C'est hyper calme. Et genre, moi, ça m'angoisse beaucoup plus que les trucs très bruyants. D'un autre côté, le chapitre 4, j'avais vraiment pas de répit. Mais celui-ci, j'ai trop aimé. Du coup, Enfin, je pense qu'on va pouvoir clôturer. J'ai vraiment trop aimé faire ce let's play avec vous. Ça m'a permis de terminer le jeu. Et j'ai vraiment trop aimé. Surtout avec la fin, là, genre, je suis trop contente. Dites-moi si jamais vous voulez qu'on fasse le DLC, du coup, avec le Fugger. Ce sera pas spécialement pour Halloween ou un événement particulier, mais juste on pourra continuer le let's play. Il y a aussi Little Nightmare 2. Qui est sorti il y a un an ou deux. Et si jamais ça vous tente, je pourrais le faire aussi en vidéo. Peut-être pas tout de suite le temps de me remettre un peu de ce let's play. Mais en tout cas, moi j'ai adoré, vraiment, ça change vraiment beaucoup par rapport à ce que je fais d'habitude. Si jamais vous avez aimé aussi, je vous laisse le mettre en commentaire, mettre un like, et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mettre la cloche pour être les premiers au courant quand il y a une prochaine vidéo qui sort, etc. Merci d'avoir regardé ce let's play, de m'avoir accompagné là-dedans pendant tout un mois au final. Je vous laisse avec les crédits parce que je trouve ça important de laisser les crédits d'un jeu, d'un film, enfin tout ça. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!
Thank you.